C'est beaucoup. Salut, bienvenue dans ce quiz numéro 3. Voilà, donc merci et j'espère que tout le monde va bien devant son écran d'ordinateur. J'accueille ce soir pour ce troisième cri... Non, pas celui-là. Antoine. Bonjour. Bonsoir Antoine. Salut. Nanès, Vanessa, Mathieu. Salut. Vous êtes dans l'équipe des cœurs. Oui. Oui. Et dans l'équipe des mains, nous avons Ben, Wax, François et Thibaut. Salut, salut. Voilà. Et je tenais à faire une petite pensée pour Raph. Raphaël Descraques, qui n'a pas pu être présent, qui est le créateur de ce quiz, de ce concept French Quiz. Ouais. Et donc, alors, quand la vidéo sera diffusée, du coup, vous aurez sûrement eu l'occasion de voir le film Les Dissociés, donc réalisé par Suri 4. Et nous, nous avons vu hier soir en avant-première le film. Enfin, presque tous ici. Je crois qu'on peut dire qu'on a passé plutôt un bon moment. C'était très sympa. Donc, on je pense bien rigolé. Incroyable. Ça va plutôt vous plaire. C'était pas une blague, Ben. Il a une appli troll en fait. Non, je voulais mettre. Voilà, oui, ah oui, ah, pour les dissocier, bravo. Bravo, toi, ouais. Je vais passer avec votre accord au minimalisme austère. Ok. Merde. T'as perdu, à vous. C'est le drapeau de la Jamaïque, ça. Non, c'est ensemble. Putain, qu'est-ce attends, que c'est que dessin animé, jeu vidéo. Dessin animé, jeu vidéo. Je l'ai passé, qu'est-ce que c'est que cette qu'est-ce que... On pourrait monter un peu la luminosité. Attends, ça me dit un truc. C'est quoi? C'est... On dirait un sushi. Non. Ah, Olivier Olivetan. Bravo, Ariane. Elle a gagné un point. Je ne regardais pas le drapeau de la New Team. Ça part complètement. C'est le drapeau de la New Team, ça. Bah, c'est les couleurs de la New Team. Mais je regardais mais pas Olivier Tom. Ok, vous êtes prêts? Oui. C'est parti. C'est Crocodile Dundee. Non. C'est évident. Bravo. Joli. Le fils des âges farouches. Il y a tous les trucs là. Voilà. Des âges farouches. Le fils des âges farouches. Des âges farouches. De Crao, bien sûr. Des âges farouches de Crao. Le Crao. Mais il vivait dans les âges farouches, les gars. Voilà. On n'est pas bon. Il faisait tourner son coutelas pour. T'as pu être le coutelas. Un peu plus compliqué. Alors. Attends, ça me dit un truc. Non mais attends, ça c'est... Attends, tu vois? Et c'est pas Sonic? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Les gars, désolé. C'est un jeu vidéo, je le répète. Franchement, je vois pas. C'est un peu compliqué. C'était un item dans un jeu... Oh là là, okay. Pas trop d'indices. Hein. Mais c'est un item un peu légendaire. Juste pour vous le dire, genre, c'est une licence qui a sorti beaucoup de jeux, et récemment, ils ont sorti un jeu qui s'est fait défoncer. Mais là, c'est un jeu avec c'est lequel la main uniquement beaucoup... Là, ils ont la main, mais... Bah là, tu leur donnes plein d'indices en même temps. Rayman. Non. Ah, on a perdu. Rayman, pas mal. Attends. Dernière tentative. Attends, un jeu qui est sorti récemment... C'était des lettres à assembler. Ah, putain. Des lettres à assembler qui formaient un mot. T'as pas la main, François, t'as pas la main. T'as pas la main. Qui formaient un mot. Putain, tu devais faire en une seule figure. Là, je l'ai pas. Je suis désolé, je vais te passer pour ah oui, bouffon. Une famille en dehors. Est-ce que tu l'as? C'est pas Crash Bandicoot? Non. Mais non. Tony Hawk Pro Skater. Ah oui, oh, putain, oh, bien vu. Ouais. Je ne jouais putain. Pas à ce jeu. C'est parti. 1-1-0. C'est Crash Bandicoot. Non. C'est quoi? Attends, c'est... Non, mais elle le dit pas. Ils ont pas entendu. Si, moi je sais ce que c'est. Mais non, mais je veux dire. C'est quoi? Il n'a pas entendu. C'est donc qui est con. Ouais. Le tonneau, tout le monde sait que c'est un tonneau. Putain, après, j'ai entendu. Ah, c'est quel Donkey Kong précisément? Celui avec un tonneau. Donkey Kong tonneau. Oui. C'est oui. Non, mais attends, en plus, maintenant, faut aller naissance. Un point pour les cœurs. Naissance du sage. Dessin animé, donc. C'est Denis Malice. Ouais. Vous vous souvenez un peu du générique? Il était trop cool, mais là, je m'en souviens pas du tout. Mais je me souviens qu'il était cool, en effet. Et attends, je vois tous les noms, là. Ouais. J'en ai pas vu un seul. Ok. J'en ai pas vu un seul. Ok. C'est E.T. Larson. Oh, oui. Easy. Trop jeune.
Facile quand même, les pointillés avec les. Il a pas trouvé. Je suis désolé, je suis. Le marteau est pas. J'étais pas né. Le marteau est pas très bien fait. Ouais. Ouais, il était beaucoup c'était plus pas large, un marteau, c'était une massue. Mais fais gaffe, putain ouais. Merde, pardon. J'essaye de ne pas tricher, mais tu m'y insultes constamment, okay. Quoi. C'est assez fou. La prochaine fois, je regarde, hein, je te préviens. Ça marche. C'est Pac-Man. Non. Ah, ça aurait pu. Genre, c'est joli, il y a les couleurs, mais... Ah oui, j'avoue. C'est pas comment ça s'appelle, le Twister, le jeu, encore hein. C'était pas non. Ça. C'était pas comme ça, non. Twister pour bits. C'est Twister pour bits, c'est génial. Non, attends. Non. Ils ont perdu la main. Oui. Non, mais c'était pas ma réponse, Twister. Non, mais c'était Twister, c'était Twister. Non. C'est un jeu vidéo ? Ou c'est un dessin animé ? Non, mais... Si, c'est bien. Vous l'avez pas, là, hein ? Non, bah non. Vous l'avez pas ? Dernière tentative, la... dernière tentative. Attends, pas, le public pas. C'est un jeu vidéo, c'est un concept. C'est un jeu vidéo. Allez. C'est un jeu vidéo ça. Guitar Hero. Ah. Oh, Guitar Hero. Guitar Hero. Mais oui. C'est pas. Ouais. Ah, merde. J'ai envie de dire. Je pensais que c'était le truc là avec le pervers là, Harry. Harry. Ah oh putain. Oh, ouais. C'est... Genre ça mais interracial. Avec des bleus. Mais de quoi tu parles? C'est des jeux de cul. À l'ancien. Avec les Teletubbies. Facile. Bah. Ah oui. Rock Band. Non, c'est quoi? Attends, est-ce que... Un micro, est-ce que c'est... C'est pas une proposition, hein. Singstar. Mais appuie, vas-y. Bah non, mais je reste le concert d'abord. Je ah, non, attends, je dis pas que je vais l'entendre. Non, c'est ça. Il y a un intérêt avec le truc. C'est... Pourquoi c'est pas... Non, y a pas juste un micro, il y a aussi une salopette jaune. Je l'ai. 0,5. Je l'ai. 0,25. Allez. Mais essaye, vas-y. Allez. Lucie, l'amour et rock'n'roll. Non. Ok, c'est bon, Tortue Ninja. Oui voilà. Ah, mais oui, c'est le nez. Putain, c'est le nez. Le micro était placé. Ça joue beaucoup. Paperboy. Oh. Bien, non? Non, c'est beau, mais non. Putain, merde, j'arrive pas. Attention, je rappelle que ça peut être jeu vidéo, dessin animé, autre chose. Okay. Autre chose? Non, non, pas autre chose, mais je veux dire, c'était une façon de dire que ça, c'était pas nécessairement un jeu vidéo. Je l'ai. Mais le dis pas. Le dis pas. Je l'ai. D'accord. Tu l'as là ? Putain. Oh, moi non. Ah putain, attends. Ah, moi j'ai pas. Matt, ça va ? Matt est très mal. Matt veut laisser la main. Laisser la main. Tu la veux ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Dans quelques secondes, nous allons devoir. Vas-y Vanessa. Vas-y Vanessa. Ah, démonte-le, vas-y Vanessa. Vas-y. Mais non, mais je sais pas en fait. Ah bah, mais dis un nom au hasard, il faut que tu dises un nom, il faut que tu dises un truc. Il faut que tu dises un truc, Vanessa. Inspecteur Gadget. Oui. Quel sens du suspense. Parce qu'il est planqué dans la poubelle. Mais oui, c'est le patron qui file l'émission tout le temps. C'est qui jette, qui rejette dans la poubelle. J'étais pas sûr. Voilà. Bien vu. Bien vu l'inspecteur Gadget. Comment t'es passé de je ne sais pas à Inspecteur Gadget? Mais parce qu'en fait, j'étais pas sûr que c'était une main qui tenait le papier. Tu l'avais, toi, Max ? Oui. Ah, je me souviens. Parce que ça sous-entend. Attention. Là. Il y a de la réflexion, là. Ouais. Pourquoi les cases ne sont pas fermées sur le côté ? L'Espagne. Non, non, mais ça, c'est un ah, oui, d'accord, c'est défaut de, d'impression. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a un sens caché ? L'Espagne. Non, en fait, c'est un... C'est un truc quoi que vous avez, enfin, beaucoup de gens ont beaucoup vu dans un jeu vidéo. Putain, mais c'est pas possible, j'ai l'impression de rien connaître là, c'est ouf. Qu'est-ce que c'est ? C'est le truc de... C'est censé faire ça ? Crash Bandicoot ? Non ! Ça sera jamais Crash Bandicoot, je pense. Mario Kart ! Oui ! C'est Mario Kart ? Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est les items de Mario, les blocs. Moi, j'avais tout de suite trouvé Mario, mais je ne sais pas. Pourquoi il n'en veut pas du tout à ça ? Pourquoi il en a à l'envers ? Parce qu'il y en a à l'envers. Parce que il tournait les trucs. Il tournait les trucs. Comme ça. Le truc explosif, tu sais. C'est ce que je disais tout à l'heure, là. Ah, il est ensuite ? Ah, Harry les ensuite, ah oui, d'accord, je ah oui, ça va, oui, moi aussi, j'ai beaucoup joué. Bien sûr, bien sûr. Mais arrête de balancer, arrête de... Alors, pour être je peux poser une question ou pas? Tu peux proposer une réponse. Est-ce que ça peut être un truc qui est déjà sorti? Qui c'est que personne n'a pris la main, là? Donné. Non, c'est pas Crash Bandicoot, hein. Non, mais ça peut être, tu l'as déjà donné ou pas? Ça peut être un truc, on peut avoir genre deux fois la même réponse dans le... Oui, oui, oui. Ça pourrait être un truc qui est déjà sorti, du coup. Ouais. C'est déjà sorti? Ouais.
C'est déjà sorti. C'est possible. Non, mais, c'est, non, c'est, non, mais il se peut. Non, mais tu ne mens pas. Je te dis que c'est possible qu'il y en ait plusieurs qui. Ça pourrait être Nicky Larson. Ça pourrait être. Et c'est Nicky Larson. Bravo. Il l'a dit tout de suite. Mais. Tu l'as dit ? Mais non, mais on l'a déjà fait. Oui, mais. Bah, c'est pour ça que je m'en laisse, ça pouvait être un truc qui était déjà sorti. Maintenant, vous le savez. C'est Dr Mario. Ouais, joli. Ouais. Dr Mario ? Joli. T'as c'est la quoi la différence ? C'est bah, il a fait des c'était un puzzle game avec Mario études, et, qui est sorti sur Game Boy. Game Boy. Jurassic Park. Non. Jurassic Park. Non, il doit y avoir un truc, pourquoi c'est vert ? C'est à vous. C'est le light, hein, comment ça s'appelle le light. C'est à vous. Denver. Oui ! Oh ! Bravo. C'est en folie ce soir, quoi. J'ai des figurants. Ah, mais oui, là, là. On remarquera que le besoin ne fait pas de bruit, c'est la table qui craque. Ah, oui. Bravo, Vanessa. Bravo. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Plus délicat. Il était très bien fait. Ah, il était super celui-là. C'est le Tamgram. Vous connaissez ce jeu-là ? Ça me dit quelque chose. Ça, là, les cerveaux fument, là. Ouais. Les cerveaux fument. De ouf. C'est un dessin animé, ça. J'en ai pas tenté un. Vas-y. Je suis sûr que c'est un... Vas-y, Wax, tente-le. Hein. Dragon Ball. Oui. Oh, bravo. Et c'est qui exactement ? C'est Bulma ? Non, c'est le ruban rouge. C'est Great Saiyaman. C'est Vegeta. Avec son détecteur d'énergie. Je pensais juste que c'était le sergent roux. Le sergent avec le. Ah oui, avec le truc de toute chance, quoi. C'est bon, ça. Donc, c'est Dragon Ball Z, mais j'accorde le Dragon Ball. Mais effectivement, on n'a pas du tout lu les mêmes choses. C'est là, ça, c'est le front de Vegeta avec son. Donc, effectivement, là, il lui manque un œil. Il y a beaucoup de possibilités sur Dragon Ball. Ouais. Dessin animé. J'en ai Serge. Ballon. Tu vas un terrain de volley là. Beaucoup de choses. Donc c'est à vous. Est-ce que c'est un pantalon ça encore? Je sais pas ce que c'est une balle de tennis. Non, moi je pense. Attends. C'est le soleil. C'est le soleil, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un couteau de tennis. Est-ce que c'est un truc de genre Naruto, comme ça. Pas de conneries. T'as dit de Naruto, donc il a dit Naruto. Non, je suis en train de. Ah oui, ah ouais. On a pas buzzé. Non, mais tu connais un truc là. Non, mais Dina Mouton. Alors, quand on sait pas, on a les fulgurants de Vanessa, donc... Là, j'ai pas... Je sais pas. Hein. Casse pas la table, juste. C'est une balle de tennis, ça ? Ou c'est un soleil ? Moi, je vois... C'est peut-être plus un soleil. C'est peut-être plus un soleil. Ouais, ouais. Qu'une balle de tennis. Dans ce dessin animé, il est moins question de tennis que de soleil. Mais le soleil est-il un élément un peu important, ou juste parfois on le voit, quoi ? Il est là parfois, quoi. Si, ouais. Bah, il est là souvent, comme dans beaucoup de dessins animés. mais je veux dire, est-ce qu'il est vraiment... Est-ce qu'il est important ? Voilà. Rémi, tente. Oui, joli Rémi. Cité d'or. Joli Rémi. Rémi est entré en challenge dans le jeu. Et en plus, c'est marrant, tu peux nous chanter tout le thème Cité d'or. Go. Allez, Rémi. Ah. C'est les Dalton, là, Lucky Luke ? Non. Mais il y a la veille ! Non ! Merde ! Mais juste, t'as une voix ! Ouais, mais je veux pas spoiler le truc ou genre gâcher ma chance tout de suite. Tu préfères la laisser à François ? Et en fait, il a tellement cru qu'il a fait... Ouais, il a dit dans l'oreille. Donc c'est à vous. C'est un dessin animé ? Oui. Pourquoi c'est ça ? C'est bizarre. Ah, attends, je l'ai. C'est à nous. Tu l'as ? Les gars, vous l'avez pas ? Non. Non ? Mais non, là j'ai rien du tout. J'ai rien plus tard. François, tu l'as un truc, là. Attends, non, mais le dis là. Non, mais tu l'as pas. Essaye. Ouais. Je peux essayer. T'as un ball. C'est le sein de Bulma ? Non. Ah non, c'est la fille qui se transforme. Ouais, l'autre fille. Ouais, l'autre fille. Non. La mue. Oui. La mue. Tout à fait. Ah ! Oh, je connais, c'est quoi ça déjà? Alors là. Oh putain, non, je l'ai, c'est quoi déjà? Tu as une forte haleine de saucisson. Bah j'en mange. allez, putain, dis un truc, n'importe quoi, allez. Je l'ai plus. Vous avez le droit de tenter un truc, les gars? Donkey Kong? Non, c'est un jeu, non. Il a Donkey Kong, non. C'est pas le gong. Non! T'as dit quoi? Mais non! T'as dit quoi? Non, il a rien dit. Non, il a dit, ça va pas le gong. Il a rien dit. Allez, faites vite. Oui, sauf que c'est des jeux vidéo. Faites vite. Ça, c'est un jeu de société. Trop tard.
par Carl Lewis. Ah. Et est-ce que je perds le titre en entier? Moi, je l'aurais pas trouvé du tout. Mais qui Carl Lewis ne perd jamais. Ne perd jamais. Voilà. Bien joué. C'est bien. Mais on est d'accord que c'est pas un dessin animé ni un oui, jeu c'est vidéo. Ce que j'allais dire, oui, hein, par contre. Non, c'est juste pour. Mais c'est, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Non, mais les règles, tu vois, elles avancent tout le temps. On fait pas des jeux figés qu'on met dans des cases. C'est un peu offensant. C'est un marchand de tapis, quoi. Tout au fur et à mesure, quoi. Ça marche. Parfait. Putain. Rémi, là. Rémi, là, ça sent le truc hyper connu. Ah merde, non, je sais pas. C'est un dessin animé ou. Oui. Zelda? Non. Mais c'est pas un dessin animé. Enfin, si, c'est un dessin animé. Enfin, ça aurait mieux fait ne pas être un dessin animé. Ah, Naruto. Non. N'importe quoi. Pourquoi tu dis que ça aurait pas mieux être un dessin? Parce qu'il y a un personnage qui est habillé un peu comme ça, un mec qui est en vert. Mais t'en refais voir, ça aurait pas dû être un dessin animé. Ça aurait pas dû être un dessin animé? Il parlait de Zelda, genre ça. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dessin animé. Oui, oui. Un classique des années 90. Si je peux vous chanter peut-être les... Tu l'as, Clem? Non, non. Attends, si tu chantes, si tu chantes un truc, il faut qu'on soit tous... qu'on reparte à zéro. Okay. Ah, mais sinon, on donne à Rémi comme d'hab, et puis voilà. Non, non, attends. Tu me dis si Rémi, si c'est fidèle, si ça t'aide à trouver ou pas. Non, mais Rémi, il l'a. Ouais, mais justement, il sait de quoi j'ai parlé. Donc, le générique de ce dessin animé, c'était... Ça va, c'est assez... Bon, vas-y, Rémi. Attends. Samouraï Pizza 4. Arrête. Je suis mal à l'aise. C'est Batman et Robin. Oui, mais lui, c'est qui? C'est Batman. Mais non, lui, c'est qui, lui? Oui, c'est le Robin du... J'avais dit avant, de toute façon. Largement. Oui, mais... Alors, Batman et Robin. Mais j'ai dit Robin, moi. C'est Batman, le dessin animé. Ouais, voilà. Alors, qui a gagné? Ah, c'est Mathieu. Bah, logiquement, c'était à nous de répondre. Mais... C'est Rémi? Ah bon? Non, oui, c'était à Rémi. Ah non, il n'y avait plus de... C'était plus la de... Bravo, un dire. Point pour les cœurs. Joli. Non, ah, mais c'est comme ça. C'est... Je crois qu'il va avoir, parce que depuis le début, il n'est pas très bon, François. Attends, je l'ai, c'est sûr que c'est dans ce sens-là? C'est... mais putain, les... Oui. Attention. Tu l'as, t'as la main, toi, là? Oui. Là, t'as la main, mais là j'ai bien flou. Vas-y, dis quelque chose. Toi, t'appelles... Il s'appuie rapidement. Vas-y, François, dis-le. Ah, c'est pas forcément sur le côté. Ça m'avait perturbé. Ah, c'est ça. Évidemment. Non. On vous entend. Ok. Bon. Allez, Thundercats. Hein? Thundercats. Non. Putain. Vas-y. Je connais même pas. Attends. C'est quoi, ce truc-là, là-haut? Pourquoi il y a ça, là? C'est pas une tête de singe, en vrai. Moi, ça me fait penser à une tête. Gardez le pas de... Perdez le pas de mémoire. Là, on dirait une sorcière, et là, on dirait un... C'est un jeu vidéo. Ça, c'est l'arrière, et ça, c'est la tête, tu vois, si tu la mets dans le jeu. Tu l'as encore, Rémi? Rémi, il l'a. Rémi, il l'a, mais oui. Rémi a tout. Rémi, un jour, faudra que tu viennes jouer. Ouais, voilà. Ok. Another World. Non. Qu'est-ce que tu t'as dit qu'on devait retenir? Dessin animé, il a dit. C'est un dessin animé ou un jeu? C'est un dessin animé. Des années 90? Oui, même un peu avant. Japonais? Mais j'ai entendu des trucs pas mal hein, dans votre équipe. C'est pas, si c'est pas Thundercats, c'est peut-être Muscleur? Non. Putain. Attends. Rémi? Ouais. Ah ouais? Oui. Mais pourquoi? Ah putain! Il lui a dit tout à l'heure. Il l'a dit tout à l'heure. Wax, ne te fais pas influencer par ce connard. Mais pourquoi? Mais parce qu'elles étaient dans des tenues de elles étaient, ça, c'était des reflets, là, mais elles avaient ces couleurs-là, au générique, les meufs. Quoi? Ouais, les couleurs, mais pourquoi il y a un aussi aussi? Oui, c'est des corps de femmes, des silhouettes, là, c'est sont les seins, et ça, c'est les rubans qui serrent la taille. Ah, moi, je comprends, il y a... Ah oui! Mais non! Regarde, t'as des tchouches en haut, mais là, oui. C'est un peu là, le début de la chute. Où tu vois des tchouches? Là, c'est des tchouchis, là. Ah oui! Oh, mauvais joueur! Attends, tu vois? Tu l'avais. Alors, pourquoi l'autre, là-haut? Donc, Rémi, il est à combien, Rémi? Moi je ne l'ai pas. Hein. Il est à combien, lui? Il devrait les distribuer d'ailleurs. Celui-là. D'accord. Bah c'est Satan de Dragon Ball Z. Oui, tout à fait. C'est excellent. Bravo. T'as un perte sur Dragon Ball. Je suis désolé. C'est le film indien. Ok, bravo. Voilà, faut les départager sur celle-là. 3, 2, 1, c'est parti. Ok.
Olivier Tom. Oui. Ah, pétard. Bravo. Merci à tous ceux qui ont envoyé ces minimalistes posters qui étaient vraiment mortels. Il y en a plein que j'ai pas mis. Plein. Les gars, vous êtes prêts? On va se faire la manche franglaise. Faut trouver la chanson ou l'interprète. Peu importe, la chanson ou l'interprète. Okay. Ou l'interprète. As-tu un moment pour m'écouter gémir? À propos de tout et de rien en même temps. Je suis de ceux-là des cons mélodramatiques. Ah, là, c'est bon, j'ai... Il va nous refaire le coup, là. Ah, putain. Alors là, attends, du coup... À ma passe. François, 3, 2, 1. Vas-y, continue. La main passe, pour l'instant, elle est à vous. Un putain de névrosé, ça fait aucun doute. Parfois, je me fais flipper tout seul. Parfois, ma tête se fout de ma gueule. I'm a freak. Non. Je l'ai. Green Day et la chanson case. Basket Case. Très bien. Bravo. Bravo. Voilà. Est-ce que, bravo, tu pourrais compétiter pour le point bonus? Je suis allé chez un psy, il m'a dit que j'étais fucked up, je sais plus. Je suis allé chez un prostitué. Prostitué, ça. Il m'a dit que machin. C'est la pire interprétation que j'ai vue. Mais je sais plus. Il m'a dit que ma vie c'était de la merde. J'ai arrêté de chialer parce que je le déprimais. Je l'ai pas trop. C'est une chanson, mais chanson très sympa et très gay en l'occurrence. Je trouve que cette chanson met une bonne patate. Bravo. Ok, dans un autre genre. Je te mate et j'ai yeux tellement profonds dans tes yeux. Je touche sur tout, plus en plus, chaque fois. Quand tu bouges, je te supplie de pas. J'appelle ton nom deux ou trois fois dans la foulée. C'est un truc tellement drôle pour moi à essayer d'expliquer. Comment je me sens, et je mets ça sur le dos de ma fierté. Parce que je sais que je capte pas. Juste comment l'amour que tu fais, que personne d'autre ne fait. Tellement horrible, quoi, cette traduction. Tu me fais ressembler à une tarée de suite. Ton amour. Tu me fais ressembler à une tarée de suite. En amour. Tu me fais ressembler à une tarée de suite. Caresse. Tu me fais ressembler à une tarée de suite. Tu me plottes. C'est tellement bizarre que tu dises ça. Tu me plottes. Maintenant, j'espère que tu vas m'appeler. Bisous. On dirait vraiment du faux à chaque fois. Maintenant, j'espère que tu vas me sauver. J'ai l'air d'une putain de nympho. Tu me fais passer pour une putain de nympho. Attends, au hasard, j'ai Madonna. Non. Dommage. 50 Cent. Non. Il peut écrire pour une, en imaginant que c'est une fille. Gilo. Non plus. Alors attends, je vais essayer de vous aider un tout petit peu. Attention, soyez prêts à vos buzzers. Attends, ça va pas être facile. Tu me fais ressembler à une tarée tout de suite, ton amour. Tu me fais ressembler à une tarée tout de suite. Ah, c'est Jay-Z et Beyoncé. Beau gosse! Oh. Beau gosse! C'est Crazy in Love. Yeah! Joli! Ouais. Joli. Okay. Tu l'avais? En même temps, il bosse à Montreuil. Voilà, donc ouais. C'est cool. C'est beau. Donc ça fait un point pour les mains. Bravo, perdu, les gars. Fait, yes, j'ai pas eu la chanter. Ouais, non, mais je te l'avais chanté. Ouais. Là, c'était un peu facile. On retourne dans. 2-0, Vanessa. Un truc qui se rapprocherait un peu davantage de ce qu'on a vu avec Green Day. Vire ce ruban rose de mes yeux. Je suis explosé. No Doubt, donc. Non, Just a Girl. Ouh! Oh non, mais, joli! Comment on la chante, les gars? Mal. De par mal. Non, théorie, tu l'as fait. Vire ce ruban rose de mes yeux. C'est ce que tu m'as fait sur Basket Case il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Tu connais Basket Case? Bah ouais, carrément, Basket Case! Ok, vas-y, peut-être le refrain, il est plus simple. Parce que je suis juste une fille dans le monde et je sais plus la suite. Voilà, donc désolé, ça ne fera qu'un point, mais ça fait quand même déjà 3 points pour l'équipe mince, qui est quand même pas mal. Vous n'avez pas backupé sur le champ, les gars. C'est, bah, on l'a pas. Je comptais sur vous quand même. C'est couvert en fait. Ouais. Je suis trop perfectionniste. Ok. pensez en bilanguage là. Pensez en. Je sais, je suis peut-être jeune,
mais j'ai des sentiments également. Et j'ai besoin de faire ce que je ressens, de ce que je dois faire. Donc, laisse-moi aller, allez. I gotta do what I gotta do. Juste écoute. Nous voilà tous, vous me matez comme si j'étais un bébé, mais vous vous êtes jamais demandé si j'avais envie de naître. Slave de Britney. Oui, joli. Ouais. C'est pour toi celle-là. Désolé les gars, je suis pas sur Britney. Et tu vas nous la chanter. Alors, là, et tu vas nous la chanter, Vanessa. Le refrain. Tout le monde. Alors, tu t'as chanté quoi comme début, toi? Tout le monde, tout le monde me regarde comme si j'étais une petite fille. Ouais. Si nous on la chante, on a un point de vue. Vous pouvez. Je suis un esclave pour toi. Je ne peux pas le contrôler. Je suis un esclave pour toi. Elle a traduit deux fois. Ouais, mais elle fait les gestes aussi. Ouais, elle fait les gestes, quand même. Hein. Bébé, est-ce que tu ne veux pas danser sur moi? Ouais. Dans un autre lieu et temps. Bravo, bravo Vanessa, très beau bonus artistique. Moi, au cas où vous arriviez jusqu'au refrain, je m'étais dit, pour essayer de pas trop niquer le truc, j'ai traduit par « je suis ton vassal ». Je peux pas retenir. Vassal. Donc que ce soit pas non plus trop flag. Ok, vous êtes prêts? Mon pote a une nana. Il blaire pas cette conne. Offspring. Joli. Oui. Et c'est my friend's got a girlfriend. Vas-y, en français, en français, en français. Moi, dans tous les deux jobs. En ouais. Français. C'est mon frère, il déteste cette pute. Mon frère le dit tous les jours. Ouais. Il dit, mec, tu dois vraiment plaquer cette pute. C'est horrible de dire, en fait. De façon, de façon hyper sale. Mais mon pote, tu dois te dire, je paierai pas, je paierai pas. Non, pourquoi tu trouves pas un boulot? Bravo les gars, voilà, bravo, bravo. Très beau. En duo en plus. Merci. Tonnerre d'applaudissements. Standing ovation. Magnifique. Allez les gars. Je dirais bien que je suis désolé. Si je le pensais que ça te ferait changer d'idée. Mais je sais que cette fois, j'en ai trop dit. J'ai été trop vilain. J'essaie d'en rigoler, couvrant le tout dans le mensonge. J'essaie et ça me fait marrer. Cachant les larmes dans mes yeux, parce que les gars pleurent pas. Les gars pleurent. C'est The Cure. Oui. Je pourrais pas te l'interpréter dans l'immédiat, parce que j'avais pas la suite, j'ai juste le refrain. Là. Tente-le, on sait jamais. Non, les gars pleurent. Je te fais le petit clavier. Eh, c'est bon. Voilà. Les gars. Ok, je l'accorde. Ah bah tu vois. Bravo. Parce que j'ai vraiment entendu. Tu y as cru. Quoi. Le chanteur des Cures là. C'était très beau. Tu m'as donné beaucoup de frissons. Merci Antoine. Molasson s'assit dans un marais marécageux, totalement sans émotion sauf pour son cœur. La boue coula dans le pyjama de Molasson. Molasson, faut savoir que c'est... Non, mais il a complètement inventé un mot, c'est sûrement Molasson. Non. Elle retournait la tête de tous les piranhas du coin. Elle est Molasson. Elle est dans ma tête. Elle est Molasson. Je l'ai quasiment, quoi. Elle est Molasson. Elle devrait crever. Ouais, c'est ça. Mais c'est qui? C'est qui? Ah, c'est... Oui, joli. Magnifique. Oui. Voilà. Bon, bah, j'ai là... vous arrivez à faire peut-être le deuxième couplet? Ah, je sais plus. Impossible de me souvenir. D'accord. Ouais, c'est ça. Elle est Molasson. Molasson. Elle est dans ma tête. C'est President of the USA, normalement, le groupe. President of the U.S. Ouais. Alors, et c'est quoi en anglais? She's in my head. She's lump. Molasson. Voilà. Lump, c'est traduit, ça veut dire grumeau, ça veut dire genre, ouais, mou, molasson, c'est un genre d'argot. C'est bien trouvé, je trouve. Voilà, merci. Très bien, donc ça fait 2 points pour vous, les gars. Bien, ouais. Bon, allez, j'en fais 2 derniers. Celle-là, je vais la laisser. Et je fais ces 2 petits derniers, et c'est pas très compliqué celui-là. Tout le monde est dans la caisse, donc arrachons-nous. Allons au Nice. C'est. Non. Ok. C'est à vous qui avez la main. Allons à. Voilà.
au Bottle Store. Les gars veulent du gin et du jus, mais c'est moi j'en ai pas très envie. Non. Non. Ouais, gin and juice, comme vous dites. Une cuite à la binouze comme la semaine dernière. Je dois rester profond parce que je veux. Parce que parler vaut rien. J'aime Angèle, Patricia. Loubega. Joli. Alors vas-y, reprends. Vas-y. Monica, dans ma tête, un petit peu de. 3, 4. Tiens, vas-y, encore. Tu peux regarder là. Quoi ? C'est tout ce dont j'ai besoin. Que je faire là, c'est, tu peux chanter pas. Un petit peu de Monique dans ma vie. Un petit peu d'Eric dans mon lit. Un petit peu de René, c'est tout ce que je veux. Un petit peu de Tina, c'est ce que je vois. Bravo. Ah ouais, en fait, j'ai traduit parce que Monica, on en a moins que des Monique. Donc je me suis dit que ce serait plus juste. Ouais, mais Eric. Bah, c'est Rika et si. Ouais, mais. Là, tu lui as carrément. De changer de sexe. Changer de sexe, mais c'est la magie de la traduction. Voilà. Vous êtes prêts ? Oui. C'est le dernier. Une personne dansant sur une musique swing. Une personne dansant sur une musique swing. Une personne dansant. Hein ? Non. C'est à vous la main. Ouais, vas-y. Une personne dansant sur une musique swing. Mais dis pas que c'est ça tout le temps. Une personne dansant sur une musique swing. J'ai terminé l'intro. Tu as foutu le boum boum dedans mon cœur. T'as fait valdinguer mon âme quand ton amour démarra. Une personne dansant sur une musique swing dans mon cerveau qui pipap doux jusqu'à ce que mes pieds le fassent. Mais tu bugs sur un truc. Il y a un truc qui va pas. Mon BFF m'a dit ce que t'as fait hier soir. Tu m'as laissé pioncer dans mon lit. J'ai fait un rêve, mais j'aurais plutôt dû être avec toi. Rêve avec moi avant que tu te casses. Ne laisse pas paroter comme une poupiesse. Rêve avec moi avant que tu partes. Putain, j'ai pas les paroles après. Non plus. Don't let me hang here like. Like a go-go. Ouais. Bon. Là que yo-yo, c'est ça. Là, bah voilà, encore une fois, j'ai fait vraiment des choix de traduction. Et donc... Par contre, là, il n'y a qu'un point. Là. Ouais, mais ouais, ça fait égalité, là. Ouais, ouais, c'est pour du ça. Du coup, comment on fait ? On se tape, hein ? Bah, il en reste une dernière. Oh, ouais. Oh merde, bon, ok. Je pense qu'on allait se taper. Est-ce que tu peux nous donner plein d'indices ? On recommence. Dans le temps des grands singes, bah moi j'étais un singe, du butane dans mes veines et je sors pour couper le diédro. Bec, loser. Oh c'est bon ça, je le savais. Est-ce que tu peux nous donner le point bonus ou pas ? Enfin, ceci dit, t'as gagné la manche. Sinon, donc là, c'est. Retire ton point. Attends. Voilà, c'est ça. Bien vu, Antoine. In the time of chimpanzees, au temps des chimpanzés, j'étais un singe. Non, mais trouve le refrain au moins. Ah oui, Parce que vous savez de quelle perdant, chanson il parle ? Pas du tout. Je suis un perdant bébé. Je suis un perdant bébé. Pourquoi tu ne me tues pas ? Ah, ouais, ouais. D'accord. Ouais, c'est bien. Après, il chante en espagnol. Soy bah. Un perdido. Ouais. Je suis un perdant bébé. Très bien. Pourquoi ne me tues pas ? Ah, ouais. Non, je pense que ça va. À la définition de mon gars sûr. Ouais. Là, on y est. Voilà, on est sur du mon gars sûr. J'ai trouvé mon gars sûr. Voilà. Bravo. Donc, bravo. J'avais éventuellement envisagé de vous le proposer en allemand, puisque du coup, lui, il utilise l'espagnol. C'est vrai. Non, mais c'est dur, là. Ich bin ein Verlierer. Je suis un nulos bébé. Pourquoi tu ne me tues pas ? Bravo. Donc, c'est une victoire des cœurs. Ah là là. Non, mais je vois. Je dis cœur quand je vois main. Non, c'est, mais... que tu as c'est dommage. Bravo les mains. Bravo. Blind quiz culte. Ok, à partir du moment où l'extrait est terminé, vous n'avez plus le droit de dire entre vous autre chose que 1, 2, 3, 4, 5. Okay, et vous vous démerdez dans votre équipe et après on vient vers vous. Okay. Vous êtes prêts ? Oui. Ouais. 3, 2, 1. Bonsoir à tous, ravi de vous revoir, très chers amis. D'où tu viens ? Comment tu t'appelles ? Jim Morrison. Cool. Et lui, c'est qui ? Un indien zarbi à moitié à poil. Plus rien à se mettre, exact. Eh, où ce mec se fout de nous ? Il lui manque une case. Des vêtements. Des vêtements, vite, vite. Ça m'étonne que n'achetiez pas plus de vêtements.
C'est pas aussi drôle que je m'imaginais. Pourquoi ? Elles ont été méchantes avec moi. Sa mère suce des queues en enfer. Je vous en prie, restez courtoise. Hein. Je fais ça uniquement par solidarité. Je suis moi-même en ce moment au bout du rouleau. Hein. Là, dedans, vous avez fait des ratures partout. Vous avez tous salopé ma feuille. Sac à merde. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il n'en pourra plus d'extase. Et là, comme le type y résistait, ben on l'a agressé. Ah ouais. Ouais, puis même, il y avait aussi une dame qui venait acheter des bouillies-caisses et on l'a violée. Ah non. Non, on l'a frappé d'abord. Ah, on l'a frappé. C'est des malades. J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Le oui, à la fin, il était... Non. Dernier extrait. J'ai toujours aimé ces petits moments de calme avant la tempête. Alors, à vous. Non, pas de nom. Non, combien ? Ah, non, mais ça, tu peux le dire, tu peux le dire à haute voix. Tu peux le dire à haute voix. Je vais juste te faire un bisou. Moi, j'en ai 7. Attends, là, c'est... Vas-y, Valse. J'en ai clairement pas 7. Vas-y, Valse. J'en ai pas 7 du tout. Vas-y. Faut quand même qu'il y ait nous qui disent le match. Ouais, je pense que... Si tu te trompes une fois, tu perds la main. Et je dois citer le bon ordre ? Non. Ok, cool. Non. Allez, 7. 7. Et si j'en ai... Si tu fais une faute, tu perds la main. Et donc, c'est ensuite à l'équipe adverse. Vous en avez 6 alors. Okay, en plus, j'en ai déjà oublié que j'avais. Ok, les gars, il faut choisir entre vous. Vous en avez aucun? T'as dit combien, toi? Moi, j'en ai 3. Hein. Je me souviens. Il suffit qu'ils fassent une faute et vous en dites un déjà et vous avez un point et eux 0. Donc ça peut valoir le coup. Parce que je pars sur. Attends, prends le temps un peu. Attends, je pars sur du 4. 4, allez, 4. Faut pas de risque. Ok. Antoine contre Ben. C'est à toi, Ben. Wayne's World. Joli. Le pari. Joli. Oh putain. Père Noël, c'est une ordure. Joli. Les visiteurs. Joli. L'exorciste. Joli. Et le sixième que t'as annoncé. Le sixième que j'ai annoncé. Oh, triche. Non, triche, non, bien non, sûr, triche. Mais non, mais non. Grosse triche. Vas-y, t'es j'allais dire Terminator, mais si tu veux, j'en cite un autre. Oh. Ouais, vas-y, attention, tout est en jeu sur ce dernier. Allez, François, fais pas ça, c'est de la triche. C'est de la putain de triche. Tu m'as tout niqué. Regarde là comment tu l'as mis en pression, là. Sur le dernier, Wax. Sur le dernier. Ouais. On est d'accord que Terminator, c'était juste après Wayne's World. Tout à fait. C'est la suite, mais on peut le lire. Je te laisse pas en bas, hein, regardez. Ok, bon. Terminado, c'est bon. Moi, j'accorde là les 6 déjà, c'est très bien. Oui, François a été vraiment le troll de ouf. Ils ont le point, là, pour le coup, sur celui-là. Ah ouais. Ils ont le point, forcément. Là, ils ont le point, ouais. J'en ai annoncé que 4, donc ça sert à rien que je passe, là, du coup. En plus, les 4 que j'allais dire, il les a tous dit déjà, donc... Ouais. Voilà, voilà, donc bravo. 6 points. Bravo, joli. Il n'y avait pas les valseuses. Si, non, c'est pas les valseuses, c'est tenue de soirée, les gars. Tenue de soirée. Cinquième élément à la fin, et Aladdin le premier quand le génie sort de la cave, de la lampe, dans la cave. Voilà, et il y avait Pretty Woman aussi, elles ont été méchantes avec moi, j'étais étonné que vous n'achetiez pas plus d'habits. C'est juste avant la scène montage de, qui est très connue, qu'on connaît tous, Pretty Woman, machin, etc. Sauf cette scène qui se passe avant. Voilà. Personne ne la connaît. Ça aurait été beaucoup trop facile. Ok, extrait numéro 2. I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Si un seul d'entre vous fait un geste, bande d'enfoirés! Who the fuck do you think you're talking to? Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive, mais je suis producteur belge, n'est-ce pas? J'arrive de Belgique une fois, et je suis très intéressé par votre roman. Vous voulez pas un whisky d'abord? Ouais, tu l'as baissé les 3 heures, quoi. Chut, regarde, comme c'est joli. Il y a Bambi qui fait dodo. Ça me fait mal au cœur de voir des gens qui n'ont pas ce que j'ai, en sachant qu'ils n'ont pas ce que j'ai, et aussi en sachant qu'ils ont des qualités beaucoup plus énormes que moi. Voilà.
Oh putain. En plus, moi j'en ai. Le moment du caca m'a fait oublier tous les trucs d'avant. Moi j'ai tout perdu après la phase des proutes là. Waouh. Moi j'en ai 5 sur aussi, mais. Je te laisse, bien. Ouais, moi aussi, parce que je pense que j'en avais 6, mais je. Il faut faire un putain d'effort de concentration. Ouais, grave. Ok, par ici. Attends 2 secondes. Ça sera François. Ouais, combien? Ah putain. Attends. Merde. 3, 2, 1. Mathieu, 6. 5. 6 5 5, je dirais. Ok. S'il y a une erreur ici, la main vient à vous. François, c'est à toi. Dark Knight. Oui. Pulp Fiction. Oui. Titanic. Oui. The Medumber. Oui. Attends, ok. La dernière, Titanic. Je les perds là. Jurassic Park. Oui. Il n'en reste plus qu'un. Il t'en reste plus qu'un. Là. Putain, il y en a eu tellement là. Ceux qui les ont tous perdus. Pas sûr. Je suis en train de me les refaire là. Attends. Ah putain. Allez, allez, allez. François. JCVD. Oui, ah, joli, là. Magnifique. Ah, okay. Tu l'avais, Wax, JCVD? Ah oui, bien sûr, c'est un de mes films. Tu connais le monologue par cœur. Quand j'ai entendu tu connais le monologue par cœur. Ah, et puis il y avait aussi le dîner de con. Ouais. C'était de la peur. C'était de la peur. Donc ça fait 6 points encore. On est en train de se faire niquer là. Ouais. Donc on avait Dark Knight, donc la scène où il arrive avec les mobs et qui fait disparaître le crayon dans l'œil du gars là. Jurassic Park, Pulp Fiction. Who the fuck you talking to? C'est Taxi Driver, juste après qui fait You talking to me. Le dîner de con, effectivement. Hein, Cité de la peur, Dumb and Dumber avec cette scène mythique. Ouais, je suis content que vous l'ayez retrouvé. Titanic, Trois Frères et JCVD. Ah, ouais. Ok, extrait autre chose, ça. Numéro 3. C'est vraiment chaud. 3, 2, 1. Bienvenue sur Berliner Fétiche Vidéo. Si vous n'avez pas 18 ans, veuillez... Bon, ok. J'aime la chaise. Putain, il fait caca sur la dame. Et t'étais au courant? Non, moi, je pas du tout, non. Et toi? Non, tu rigoles. Non. Ed. Canada. That's why. Matt Damon. Il fallait le tuer, la pauvre bête avait la rage. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. I can't carry it for you. But I can carry you. Come on! I can't. It's too big. Size matters not. Vous avez oublié quelque chose? Merde, non, ta gueule! Ça, c'est le quatrième. Non, ta gueule! Okay. Dommage, okay. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, concentrez-vous les gars. Oui. J'en ai au moins 6. Ah bah vas-y, non mais... C'est bon. Hors jeu de ouf, je dirais. Ça, oh putain, non mais j'ai zoomé tous en plus. 5, je dirais. Je te laisse prendre. Ah bah j'en prends que 5 alors. Hein. Notre gars sûr. Gars sûr? 5. Il y a craquage... Craquage de mémoire, vas-y Antoine. Attends. Non, c'est pas craquage de mémoire, craquage de culture. C'est bon, je peux le faire. T'en dis 5 là? Ouais. 5? Attends, 5 tu dis? Ouais, j'en ai 4, sûr. Mais je m'en souviens plus en fait. Ah non plus. Il y avait vite, ça. Vite, là, vite. Il y avait ça, il y avait. Là, c'est dégueulasse ce qui se passe. Il faut que tu fasses un truc là. Bah vas-y, va sur 5. Vas-y. 5, alors maintenant, vu que c'est égalité, il faut que vous retrouviez les trucs dans le bon ordre. Oh putain! Eh ouais! Horrible. Qui c'est qui pense en avoir le plus dans le bon ordre? J'ai le premier. T'as le premier, ouais. C'est tout, t'en as qu'un dans le bon ordre? Et toi t'en as combien dans le bon ordre? 0. Ok, vas-y. Combien? 1. Vas-y. Ça se part le film. Oui, ah, oui joli. Joli, est-ce que tu peux avoir tes 5 points, pour, histoire de vraiment... Là, Roger Rabbit. Ouais. Team America. Ouais. Retour du Roi. Ouais. C'est ça. Et Juste avant 21 gigawatts, il y avait autre chose. Mais t'es con. Il y a autre chose. Alors toi, tu l'as, c'est sûr. Non mais avant. Il n'est pas dans l'ordre là. Bah, mais non. Tu le connais aussi parce que je connais. Roger Rabbit, juste. C'était Roger Rabbit. Bah oui, bah il l'a pas dit. Mais si, il l'a dit. Si, il l'a dit. Ah pardon. Arrête de l'embrouiller. Arrête de l'embrouiller. Vous avez le point. J'ai pas entendu. Combien t'en as de points? Et Ventura. Non, pas Ace Ventura. Ah merde. Ok, donc ça fait combien? Les yeux de masse, la peau. Ça fait combien de points?
T'en avais 3 là, t'en avais balancé 3. Non, il en a balancé 4. T'en as 4 4 et 21 duowatts. 4. Ouais, non, on en met 4. 4 et. Bah, 0 pour nous encore. Il y avait donc South Park le film, Le Roi Lion, les hyènes. Le Roi Lion, putain. Ah ouais, putain, Akira. Akira, Tetsuo, j'ai pensé à t'as clair, Team America. Matrix Trilogy aussi, non? Tout à fait, Lambert Wilson. Ah oui, c'est Lambert Wilson. Quand il se gargarise de balancer les. Il dit I love French language because it's best to curse. Putain de bordel de merde. Voilà, The Mask, Le Retour du Roi et Star Wars. Bah oui, bien sûr. Non, l'Empire contre-attaque. Ouais. Excuse-moi, je. Non, mais c'est possible, ouais. Tatillon, mais t'as raison. Ok. C'est horrible parce que je l'ai. Enfin, je l'ai trouvé, mais je ne me souviens pas. Ouais, ouais, c'est clair. C'était I can't, it's too big, size matters not. Oh. Ok, je remets. Et donc ça, c'est la dernière. Donc, les points x3. X3 allez. X3. Allez, on les est fou, x3. X3, c'est parti. Ok, vous êtes prêts? Oh putain. Concentration. Vous avez oublié quelque chose. Merci beaucoup. C'est un zirgouflex. Les humains se servent de ces pics-pics pour ratisser leurs poils de tête. Regarde. Quand je regarde comme ça, on me voit. C'est pas compliqué, tenez, regardez. Regardez bien mes doigts. 4 pierres, 4 containers, 0 pierre, 0 container. Si je regarde comme ça, on me voit plus. To be or not to be. Not to be. On me voit plus, on me voit plus. On me voit. Super. On me voit plus. Amao, Claudia l'appareil. Dis, je viens de me faire carjacker. Je viens de me faire carjacker. Red Rum. Red Rum. Red Rum. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Écoute, Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Surtout toi. 6. Ah, bâtard. Ok, vite. 6. 6. Mais je laisse la main. Vas-y. Ah, putain. Le cinquième élément. Oui. Dickenek. Oui. Putain, je les ai plus là. Putain, je les avais tous. Attends, le cinquième. Le Mission Cléopâtre. Oui. Tu peux dire 4 fois du coup. Non, non, non. Attends, attends. Merde. Donc tu m'as dit. Attends. Cinquième élément. Dickenek. Astérix Mission Cléopâtre. Ouais. Attends, il m'en manque 3 du coup là. Attends, je les avais. Putain. Attends, laisse-moi réfléchir. Putain, j'ai pas le temps de réfléchir, c'est ça. Je suis en train de les perdre, là. Je suis en train de les... Les bronzés ? Oui. Attends, il y a quoi d'autre ? Il y a... Putain ! Allez, mec, allez ! Putain ! Je les avais... Pas bien, gamin ! Tu se fais à tricher aussi, merde ! Alors, j'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Ah bon, ok. Ok, attention, 4, dernier. Attention, Antoine. 3, 2, 4, 1... 4. Ok, pour l'instant, on peut. Ah, mais c'est j'en ai un! J'en ai un! Vas-y, vas-y! Shining! Oui! Attends, putain, qu'est-ce que. C'est fini là! Ok! Oh putain! Okay. Putain! Et 15 points là! Alors toi? Non, parce qu'au final, on gagne! Oui? Ouais, voilà, donc ça. Ah bah merde! C'est sûr, c'est ça! C'était vraiment. Il avait aussi des bronzés pour du ski? Bah c'est ça, c'était les bronzés fondus ski, oui, mais on dit les bronzés, c'est ça. Il y avait un autre truc avec Michel Blanc, là. Il y avait pas les bronzés et les bronzés fondus ski. J'ai mis deux fois les bronzés fondus ski. Ah, c'était deux fois les bronzés. The Rock. Non. Et c'était quoi le truc qu'il faisait? Non. C'était pas E.T. Non, attends. C'était pas Predator. Non. Non, c'était... Les bronzés fondus ski, elles jettent le Scrabble. Vous avez oublié le Scrabble? Le tournicotis, tournicoton, là, c'est la petite sirène. Last Action Hero, putain. To be or not to be. Non, pas to be or not to be. Dickenek, Shining, c'est arrivé près de chez vous avec l'urbanisme. Crois-tu qu'il l'a fait, machin? Et le truc à la fin, c'était la chute. Ah mais oui, je l'avais. Je l'avais, c'était celui-là qui me manquait, c'était la chute. La voix de Nicolas Cage, là, c'était un... C'est pas Nicolas Cage, c'est le cinquième élément. Désolé, Hitler. Le cinquième élément, quand les aliens lui apportent la palette, comptez mes doigts, 5 pierres, 5 containers. Ouais. Est-ce que vous êtes chaud pour un Quizix ou si vous voulez tester le pitch? Le pitch, moi ça me dit bien. Le pitch, ouais, le pitch. Ok.
Je prends un exemple concret. François, tu vas tirer un papier et tu vas devoir faire... Tu as 2 minutes où tu dois faire deviner un film. Miroir derrière. Tu dois pitcher... Tu dois pitcher un film à l'équipe d'en face sans qu'il... Le plus mal possible pour qu'ils ne reconnaissent pas sur 2 minutes, en 2 minutes, qu'ils ne trouvent pas le pitch de le film dont tu parles. Et ils ont le droit. Et eux doivent trouver. Chacun a une voix. Quand tu devines un truc, chacun a une voix. Et après, tu peux plus parler. Mais les gars dans ton équipe, s'ils donnent un mauvais titre, ils donnent un point à l'équipe d'en face. Toi, si tu gagnes à l'issue des 2 minutes, tu gagnes un point. Et vous, si vous trouvez le truc, vous gagnez un point. Et enfin, petite subtilité, c'est qu'on a un comité de surveillance du pitching. C'est-à-dire que ce que tu racontes du film doit être plus ou moins correct. Ah, on n'a pas le droit de faire de piège. Bah, faut pas raconter un truc qui n'est pas dans le film. Voilà, faut tu pas, pas regarder un truc sur un autre film qu'il balance en voix. Faut juste faire des digressions énormes en fait. Mais de telle façon à ce que. Tu parles de scènes que personne n'a retenues ou des petits détails à la con sur le truc. Qui veut commencer? Honneur aux filles. On est gueulés. Ah non, non, non. Okay. Comme, alors, non, parce que je suis pas sûr d'avoir une personne. Je crois qu'il y a du honneur aux filles. Vas-y, tu commences, mec. Allez, Wax. Vas-y, Wax. Honneur aux cheveux, alors. Wax. Allez, pas le miroir. Ok. Ok. Wax. Ouais. C'est quand tu m'as le regard. 3. Excuse-moi, tu me déranges. 2. Ok. 1. C'est parti. Alors, c'est l'histoire d'un mec archi fauché. Et il traîne avec son copain un petit peu à droite, à gauche. Il joue aux cartes. Ils font des petits jeux, etc. Puis au bout d'un moment, ils se disent « Hey, si on montait une arnaque pour faire un petit voyage ?» Et ils y arrivent. Et à ce moment-là, ils prennent leur baluchon, ils partent en voyage. Ça, c'est cool. Et dans ce voyage-là, en fait, il y a des gens de différentes castes sociales. Et... Je crois que je l'ai. Tu crois que tu l'as ? Non, mais continue. Et... J'ai mis ta voix. Et à ce moment-là, il y a un espèce de mec qui débarque avec une petite montre et tout, un peu désagréable. Je fais oui, comment ça? C'est pas. Je suis bourgeois. Combien de temps il reste? Je ne peux pas traîner avec cet homme-là. Et c'est parce qu'il y a une femme entre les deux, entre le bourgeois et ce mec. Et donc, et puis après, bah, c'est classique, quoi. Embrouille, croisière. Une croisière, ils partent en croisière. Ah, c'est triste! Oui, j'arrive! Bravo! J'ai une montre! Je suis pas très content! Bravo, Max! En plus, c'est vraiment le début du film! Ils jouent au cœur! Ils jouent à 2 minutes! Et à la fin, il fallait qu'on puisse. Dès que tu l'as, tu peux donner un accord. Tu l'avais? Il l'avait quand il avait pas eu. Quand t'es d'Alice, c'est l'histoire! Au moment où t'as dit, je crois que je l'ai, tu pensais à quoi? Star Wars. Et après, il y avait un truc de jouer aux cartes et quand il part dans ma vie. Non, mais s'il part en voyage, je sais pas, je sais. Bravo, Wax. Mais. À l'un d'entre vous. Ok. Hyper dur de pitcher en fait. Et c'est comme ça que James Cameron l'a pitché en fait. Ouais, ouais. Je crois. Okay, je l'ai. Attends. Okay. C'est l'histoire d'un. C'est l'histoire d'un mec, il lui arrive pas mal d'emmerdes, vraiment. Avec sa femme, ça va pas très bien, tout ça. Du coup, on va dire qu'il se noie un peu dans son travail, quoi. Et du coup, il rencontre des gens à travers de son travail et il se lie d'amitié avec une des personnes avec laquelle il travaille pour... et cette personne-là, elle a quelques soucis, tu vois, elle a quelques soucis assez peu habituels, on va dire. Et du coup, notre héros cherche à sortir cet autre personnage du pétrin dans lequel il se trouve, quoi. Et donc cet autre personnage, il vit avec son chien, avec une femme, tout ça... Et ça se passe pas très bien non plus parce que son problème lui pourrit vraiment vraiment beaucoup la vie, quoi. Du coup notre héros c'est la seule personne au monde
à savoir que cette autre personne a ce gros problème, quoi. C'est une sorte de maladie étrange, un peu... Ouais, c'est un peu le seul à savoir, quoi, on va dire. C'est... comment... Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus ? 30 secondes. Ouais, c'est à vous de trouver, là. Alors... l'autre personne est un enfant, en fait. Tout ce que j'ai dit est vrai. Attends, je le refais, là. 30 secondes. C'est vraiment plus en sortie d'action, tu fais « Oh mon Dieu, mais oui, depuis le début. » C'est vraiment ça. Ouais. Bravo. Il travaille, il apprend avec sa femme, puis il est mort. Ça a l'air assez fun comme jeu. Il a des problèmes. C'est vrai qu'il a des problèmes. Ah, mais ouais, il a des problèmes. Ça me donnerait bien envie de tester ce truc un jour. À vous. Ouais, c'est moi. Alors... je sais pas. Est-ce que tu peux me le filer juste pour... Attends, mais j'ai pas vu encore. Ok, on va. C'est bon, t'as regardé là ? Eh ben c'est parti, Ça parle de deux potes. Deux potes, mais bon, voilà, ils se chamaillent souvent. Ils se barrent un moment et ils rencontrent des gars, mais pas très sympas et pas très grands. Et après, ils sont. Voilà, et après, heureusement, bon, ça dure pas très longtemps, heureusement, ils tombent sur. Un gars qui, en fait, au final, s'avère être notre héros, qui devient aussi leur pote. Et après, donc, on va dire qu'ils sont trois. Et après, il y en a un qui se barre. Il y en a un qui se barre, je peux le dire, tout oui. seul. Oui, mais si tu te trompes, c'est moins un. Il y en a un qui se barre tout seul. Tu donnes un point à l'équipe. Et donc, il faut qu'il aille le chercher et tout. Il dit, oh, putain, il est où le troisième, fait chier et tout, etc. Il le retrouve. Il retrouve un quatrième, un autre gars. Mais un peu plus âgé, et tout. Et le gars lui dit, ah, au fait, je te connais, enfin, tu me connais pas, mais moi, je te connais. Mais et en plus, je connais un peu ta famille, et tout, etc., et tout. Et en plus... une minute. Pas, voilà, et en gros, il faudrait que tu te tortes les doigts et tu voyages un peu plus parce que t'es pas censé être là tout le temps à rien foutre, et tout, etc. Donc, il décide de partir. Après, il dit, bon, bah, on va faire... partir, il faut trouver un autre gars encore. Oh, je l'ai dit en premier. Un point en moins. Une voix en moins. Quoi ? C'est que pour tous les deux. Attention, il te reste une minute. Donc après, ils disent, ok, bah, on va voir un autre gars. Il dit, bah, ok, bah, ça tombe bien, puisque j'ai un vaisseau spatial. Donc, ça tombe très bien. Oui ! Deux points ! Non, il l'a dit avant. Il l'a dit avant. Ah, moi, je l'ai entendu là avant. Je l'ai entendu là avant. Ce qui fait le point de Wax, vous est donné et le point de Mathieu. Mais c'est en fait, quoi ces gars là ? C'est 6PO et Ordre des Et après, ils se chamaillent, ils sont capturés par des gars, ils tombent sur le héros. Qui est plus vieux. Après, ils vont tomber sur un encore plus vieux, qui connaît ta famille. Moi, je voyais Gandalf qui connaissait. C'est vrai, ça marche aussi. Bah, ouais, c'est ça. Bravo, mais le trollage. Tu sortes un peu les doigts. En fait, il faudrait effectivement pour éviter ce type de vaisseau spatial inventer des tabous. Pour les mecs qui regardent l'émission, re-regardez ce speech en pensant au Seigneur des Anneaux, ça marche aussi. Ça marche aussi. C'est ça qui est ouf. Avec des petits gars. Ça marche aussi avec Harry Potter. Je suis sûr que ça marche avec Harry Potter. Sur tous les trucs. Ok. Sur toutes les grandes sagas. Oui, bien sûr. Bon, bah, c'est plutôt pas trop mal ça. Donc c'est. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ça te marche bien. 3, 2, 1, c'est parti. Alors c'est sympa. C'est un mec. Qui se balade et tout. Enfin, il est content. Il va. Enfin, il a des amis. Il a pas mal d'amis et tout. Il a des parents plutôt cool et tout. Et puis un jour. Il se prend d'affection pour une vieille personne et tout, qui débarque et tout. Ils s'entendent bien, ils sont plutôt contents, ils parlent bécane, enfin surtout voiture. Ils font des tours de voiture ensemble et tout. Et en fait, ils vont au bal et tout, ils vont même faire des tours sur ton futur. Oui. Ils vont au bal. Ils vont au bal. C'est plutôt sympa. Avec une vieille personne. Je voulais rendre le truc un peu rom-com. C'est un buddy movie. C'est ça. Il parle voiture. Après, bravo. Des spliffs avec des Libyens. Voilà. Donc,
3 points pour les mains. 2 points pour les cœurs. Bravo Vanessa pour cette vision. Putain, ils ont trouvé sur... encore là. Ouais. Mais oui, François a trouvé. Ton pitch était super. Mais il est fini, ouais. C'est dur. Le bal. Il parle bécane, enfin, voiture. Il s'occupe de vieilles personnes. Allez. Zeus. Vas-y. J'espère que j'ai vu le film. Sinon, il y en a un, j'en ai mis un en plus au cas où vraiment, genre, c'est abusé, mais faut pas abuser justement de ce truc-là. D'un truc abusé. J'ai pas vu, c'est la honte pour moi, mais j'ai vraiment pas vu. Vraiment contre, pas mais vu. Mais par contre, du coup, j'ai vu le film, donc ça veut dire que. Bah, on l'élimine. Ok. Voilà. Donc. Tu veux savoir ce que c'était, histoire de te foutre la honte. Ouais, bah, en plus, gros, je me foutre la honte vraiment, c'est Harry Potter. Ok, ça me fait plaisir. Regarde là. J'aurais espéré que tu tombes dessus. Mais je l'ai pas vu non plus, de toute façon, c'est de la merde. Toi, t'aurais fait. Oh, c'est pas vrai. Ok, donc maintenant, bah, j'espère que t'as vu... J'espère que j'ai vu les autres, ouais, j'avoue. Merci. C'est un jeu où tu, ouais, si t'as pas vu, tu perds des points, en fait. C'est bon. 3. Tu l'as ? Ouais. 2. 1. C'est parti. Bon, donc on est vraiment dans le film où il fait beau, puis parfois il pleut, parfois il y a du tonnerre, parfois il y a la neige. Donc on visite vraiment un peu tous les types de décors. Hein. Chacun est servi, hein. Tu aimes la campagne, la mer, la plage, la montagne, tout. Franchement, tout le monde, vraiment, voilà, tout le monde est servi. Quoi. En termes de génération, c'est pareil, il y a des petits, des jeunes, des vieux, des grands, des blacks, il y a tout. Franchement, il n'y a pas de discrimination positive ou négative. On est vraiment dans le consensus. Voilà. Vraiment, vraiment, mais totalement. Enfin, sincèrement, il n'y a rien, y a rien à dire. Quoi. On a plusieurs voix, nous. Et par conséquent, ça, c'était vraiment le paysage, le... Okay. Comment ça, c'est le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Joli. Putain. Très belle vision. Ah, il fait beau et alors, tout, ok. Faudra que tu m'expliques où est-ce qu'on voit un black. Ouais, un canon caille, tu vois, comme c'est parce que c'est... Ah, c'est raciste. À la base, c'est des mecs, c'est des Maoris, donc forcément, c'est pas des noms, tu vois. Mais non, mais les Uruk-hai, ce sont des mecs, ce sont des elfes qui sont possédés. Ah oui, ouais. Ils sont noirs, donc forcément. Non, mais c'est vrai que le Maori... sont des gens de couleur. Et pourquoi t'as tiqué sur le Seigneur des Anneaux ? Parce que je tournais tellement autour du pot pour pas dévoiler. Il y a des grands, il y a des petits. Sinon, j'avais retenu les baluchons. Tu m'as donné envie de voyager, donc tu vois, j'ai pensé voyage. Je crois qu'il faut pas hésiter à être même peut-être encore plus, à noyer encore plus le poisson, en fait. T'es prêt ? Ouais. Allez. Ah, attends, il y a combien ? 3-3. C'est le combat final. Tu nous fais pas la même chose que la dernière fois, là. Le Patrice Lafont, là. Ah bon ? Non. Pyramide, présentateur. I will never forget. Ok, excuse-moi. 3. N'oubliez pas de buzzer hein, pour le dernier. Ah bon ? Faut buzzer pour le dernier, d'accord. 1. C'est parti. Donc ça, c'est l'histoire d'un mec, ou deux même. Ça, c'est deux mecs, ouais. C'est deux mecs. Je crois que je l'ai déjà. C'est vrai ? Alors attends, mais du coup, qui habite à la campagne. Non. Je sais pas. Alors. Qui habite à la campagne. Une campagne assez pauvre, hein. Ils sont habillés. L'un est assez pauvre, l'autre est un peu plus blindé. Et donc, ils se baladent au début du film, hein, comme ça. Ils vont à des repas, c'est assez sympa. Et puis, il y en a un qui bouffe un truc. Qui le rend un peu malade, et le deuxième bouffe la même chose. Et d'un coup, les mecs, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr, attends. Bon. Et du coup... On fera un comité d'analyse des fiches. Du coup, normalement, les deux mecs tombent malades, en fait, si tu veux, et s'endorment, et commencent à voyager, et... Les visiteurs. Wouah ! Mais sauf que, oui, c'est ça, mais ça se passe pas du tout comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça. Non, j'allais pas dire, ils boivent une potion et ils s'endorment, tu vois, ou ils baladent dans le temps. C'était Fight Club. Mais oui, c'est vrai. Quand t'as dit, c'est un gars ou peut-être deux. Bravo. Mais non, après, la campagne. La campagne, ça va. Je pouvais pas dire. La campagne. Du coup, on a gagné. Fight Club. Et vous avez perdu. Bravo les cœurs. Vous avez gagné. Bravo. Et sur une fulgurante de malaise, hein. D'un point. Alors, il y a une grosse approximation scénaristique, puisque donc, effectivement, il y a la sorcière qui a le bras trop long, là, qui lui met une goutte dans sa gourde, et il commence à avoir le château en champignons, ouais. Et tout. Et puis après, il y a sa mienne, ma promise, là, qui tire une flèche, et pour ça qu'il voyage dans le temps. Et du coup, il doit voyager dans le temps, et après, il y a Goop, j'ai mis les œufs de caille et tout, et il commence à voyager dans les couloirs du temps. Est-ce qu'on est obligé de tout niquer? Non, non, depuis le début, en fait. Vraiment, je me suis demandé si je pouvais pas genre commencer par la fin directement. Ouais, carrément. Ah, d'accord. Okay. Mais il faut réussir à raconter le film par la fin. Et non, mais des bouts, quoi. Tu peux pitcher. Non, parce que là, la fin, il se passe un moment, ça. Il achète du dentifrice. Ouais, bah grave.
Il va à un repas. Enfin, en tout cas, si vous n'avez pas vu Les Visiteurs, au cas où c'est possible, ça, il faut le regarder. Hein, ça fait partie des classiques. Mais du coup, on va quand même offrir le cadeau au vainqueur. Il y a un cadeau ? Mais oui, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Enfin, il y a pas de cadeau pour les vainqueurs. Non, c'est une punition pour les perdants. C'est une punition pour les perdants. Non, non, mais parce que dans ma tête, je l'ai tellement pensé comme un truc qu'on pourrait faire un cadeau. Et puis en fait, c'est dit non, mais enfin, vous allez comprendre. En fait, ce serait peut-être plus drôle si on faisait plutôt une punition. Donc. Je le dis, c'est rapide. Parce qu'on voulait offrir des places de ciné, mais on s'est dit que plutôt on allait. On a dit, dans le French Quiz, il y a toujours eu des gages. Oh, mais c'est ça, vous avez gagné le droit. C'est quoi Allez, vous avez 3 places. Vous distribuez à tes amis. Vous en avez un chacun. C'est dur, hein. Allez, distribuez. Vous avez 3 places. Vous avez gagné les places pour aller voir Aladdin. Le film. Bravo les cœurs. Vraiment, merci à tous pour ce French Quiz. On est arrivé à la fin avec une victoire. Attends, parce que. Attends, on a perdu. Oui. D'un point. Il n'y a pas de méga banque. On va essayer de faire gagner moins. Non, moi je propose qu'on. Deux points d'écart. Normalement, il y a toujours deux points d'écart. Il faut le dire avant. Tous les jeux. Non, c'était fini là, on a gagné. Par contre, on peut faire un pitch à Flo. Ouais. Un pitch à Flo. On décide. Ah, mais non, Oriane, tu choisis un titre de film pour que tu fasses le pitch. Toi, tu voulais essayer. Ah, je veux bien essayer là. Okay. Ouais, voilà. Et après, tu peux allouer deux points à l'équipe que tu veux. Voilà. Sachant que là, ça sera complètement. Mais nous, on filme toujours ça ou ça veut dire une bonne soirée en fait. Non, mais dans ce cas-là, il faut que vous puissiez gagner. Il faut que moi, j'essaie de pas vous faire de vie. Mais on a gagné, nous, déjà. Ou alors, tu leur fais. Ça rejoue, vous avez gagné. Mm-hmm. Mais s'ils gagnent, ils peuvent échapper au gage des perdants. D'accord. Alors, mais... on gagne quand même, parce d'accord. que. Je connais ce film. Et donc, si vous trouvez, vous les envoyez voir à la. Ouais, et je t'appelle tous les jours, François. Sans s'en fout qu'on aille le voir. C'est bon, tu veux. Ok, c'est parti. Donc. Tu veux manger en même temps. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'égare. Il s'égare. Et en fait, ce qu'il veut, c'est se faire des amis parce qu'il est très triste. Parce que comme il s'est égaré, il se retrouve très seul. Et donc, du coup, il se retrouve à être, dans un premier temps, avec des gens, dans des maisons. Il se déguise. C'est un film. C'est un porno. Non. Et puis, au fur et à mesure, il se lie d'amitié avec des personnes en particulier qui ont beaucoup, beaucoup de points communs avec lui. Mais qui, contrairement à lui, à ce monsieur, ne sont pas du tout égarés. Ils ne sont pas du tout égarés. Eux, ils sont dans une maison, ils ont une famille, etc. Mais ils sont très coquins avec ce monsieur qui est perdu. Coquins ? Non, mais coquins, je viens, ils jouent, ils font plein de blagues et tout. Mais c'est des gens vraiment des tout petits, des gens de petite taille. Et donc, ils se déguisent, je l'ai déjà dit. Ils font des canulars téléphoniques, ils appellent, ils essaient de passer des coups de fil et tout. Et puis, tout ça fait que finalement, ça n'avance pas, exactement comme mon pitch. Ça, le film stagne. Pendant longtemps, il y a une grande pesanteur. Et puis au bout d'un moment, lui, il se dit genre, c'est bien tout ça, mais il croit à trouver sa famille d'adoption, mais mine de rien, en fait, il est égaré, il veut tout le temps essayer de retrouver les siens. Il veut tout le temps rentrer chez lui. Iti joli. Joli. Bon, et ben alors, on y va ensemble, Antoine. Bah non, moi j'ai gagné, du coup, ils y vont. C'est eux qui y vont. Mais si tu veux, on y va. Bon, les gars. Bravo, donc c'est pas une blague, hein, c'est des places qui vous sont offertes pour aller voir le film. Merci Flo. Merci Antoine, merci Vanessa, merci Mathieu, merci Thibault, merci François, merci Ben. French Ball, abonnez-vous.